c'est toujours d'être en mouvement, qu'on puisse penser en se déplaçant, en changeant de site, de ne pas être à l'intérieur, mais le plus possible au grand air et dans des endroits qui sont à chaque fois singuliers. Comme on était parti de l'idée du cercle, on s'est demandé mais qu'est-ce que c'est que faire cercle, hein, qui était cette sorte d'utopie, d'être ensemble avec le public pour pouvoir poursuivre une histoire qu'on aurait commencé avec toute notre équipe de séminaristes, Faustin et moi-même. Et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut agrandir ce cercle. On avait visité ce bâtiment du Vortex et on s'est dit, voilà, une architecture qui nous interroge puisqu'elle est circulaire et qu'elle impose une autre façon de concevoir l'habitat et le vivre ensemble. On est dans une société, notre société contemporaine, moderniste, était évidemment, et architecturale, beaucoup basée sur la question de la ligne droite. C'était Le Corbusier qui disait « l'homme moderne et rationnel marche droit parce qu'il sait où il va ». Donc l'idée de la ligne droite, c'est celle de cette marche en avant vers un horizon qui ne peut être que celui du progrès et du mieux. Il est évidemment aujourd'hui questionné et mis à mal. Donc on s'est dit, voilà, questionnons maintenant cette idée du cercle. On va vous raconter des histoires autour de ce lieu qu'on a commencé à explorer et chacune d'entre nous va vous inviter à faire une promenade jusqu'en haut et poursuivre ensuite la discussion. Comme faire cercle fait un peu faire communauté. Et quand on a parlé avec les gens qui habitent là, on a vu que c'est tout le contraire en fait. C'est comme un cercle un peu imposé et tout à coup, tout le monde baisse les stores parce qu'ils ne veulent pas être vus par les autres. On a réfléchi sur ça, on s'est dit si on impose une structure, ou peut-être dans notre société on est très individualiste, donc cette forme était inspirée des bâtiments, ils ont dit, en Chine. On ne s'est pas encore approprié le lieu, ou genre, de casser ces lignes géométriques par une vie un peu plus organique. Donc c'est-à-dire pour faire communauté, il faut qu'il y ait des choses qui émanent de la communauté. Ouais. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de rondes à l'eau, comme un manège de lune avec sa chèvre d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde qui font sans cesse les heures, le voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Je fais des recherches, voyez-vous. Des recherches. Des recherches scientifiques, je veux dire. Silence. La femme se serra dans son manteau violet. Coquillages, lichens, ce genre de choses? Non, vague. C'est-à-dire, vous voyez là, l'endroit où l'eau arrive.
Elle monte le long de la plage, puis elle s'arrête. Voilà, cet endroit-là. Exactement, celui où elle s'arrête. Ça ne dure qu'un instant. Regardez, voilà, ici par exemple. Vous voyez ? Ça ne dure qu'un instant, puis ça disparaît. Mais si on pouvait fixer cet instant, l'instant où l'eau s'arrête, à cet endroit-là exactement, cette courbe, c'est ça que j'étudie. L'endroit où l'eau s'arrête. C'est là que finit la mer. Il y a un endroit, il y a un instant où elle finit, la mer immense. Un tout petit endroit et un instant de rien. Hier, j'ai fait comme vous, on a fait comme vous la montée ici. Et donc ce matin, je suis partie avec ma caméra entre 11h et midi et demi. Et puis j'ai été toquée aux portes pour aller rencontrer les gens qui habitent ici. Et donc entre midi et demi et 1h30, j'ai fait un petit montage que je vais vous montrer là. I actually finished my last exam yesterday. Ah, cool, so you're on holidays now. Yeah, it's super, super nice. You're staying here in Lausanne? I'm going home actually next weekend. Where is it? To Stockholm. Oh, nice. Depuis deux jours, nous sommes là. On a commencé à 14 hier. Aujourd'hui, il y a Dunia et Christian qui nous ont rejoints. Et toute la question, c'est voilà, comment on se réunit, comment on partage, comment on rencontre un espace, comment on partage nos expériences dans cet espace, mais surtout, comment rendre compte de ça. Voilà, on n'a plus beaucoup de temps, il paraît. Maintenant, peut-être qu'on va aller plus vite et rentrer dans un système très linéaire. Tout droit. Ça a tourné en rond, on tourne. Pourtant, il paraît que l'homme, c'était moderne ou le Corbusier hein? Non. Non, un homme raisonnable, pas bon. Et toi, va droit, toi, il sait où il va. Et sa trajectoire, c'est une ligne droite. Et toi, tu arrives. Dunia aussi, vous arrivez et vous posez cette histoire d'économie circulaire. C'est quoi cette chose ? L'économie circulaire, c'est une économie dans laquelle on essaye de rendre le plus de processus possible circulaires, justement. C'est-à-dire que les déchets des uns sont les intrants des autres et on essaye de faire des chaînes circulaires pour que ça se reboucle. C'est-à-dire qu'à la fin, la personne qui a donné les déchets au début reçoit des intrants à nouveau, quasiment du même endroit. Et donc c'est l'idée de ne plus avoir de fuite hors des systèmes. Avec donc l'idée de presque plus consommer de matière neuve. On réfléchit sur le flux des matières premières, quid des finances. Alors, il faudrait qu'il y ait une réflexion là-dessus. Et peut-être que l'économie circulaire, ça serait aussi de circulariser les flux d'argent plutôt que les flux de matière au final. Dans ce qu'on voit pour l'instant, c'est plus une réflexion sur les matériaux. Derrière l'économie circulaire, il y a aussi justement la réflexion ou un idéal différent qui se détache de la ligne et où vraiment on va re-questionner les paradigmes de base et même les cycles et la temporalité, justement, on ne court pas vers un but, mais on réfléchit aussi en termes de territoire, en termes de cycle, des années, de se reconnecter, peut-être de réduire le rythme. Et en fait, il peut y avoir plein de choses derrière une économie circulaire. Et c'est compris de manière différente selon les gens qui la saisissent et qui veulent faire ou pas de l'argent avec. Et justement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à la course effrénée vers la croissance finalement infinie dans un monde qui est fini,
comme on le sait maintenant, et dans quelle mesure ces économies nous offriraient la possibilité de sortir de ce système néolibéral, finalement. Est-ce qu'il y a plein d'alternatives. Après, la permaculture est un modèle qui repose sur la circularité et sur ces cercles concentriques. J'imagine que tous les domaines de permaculture et d'agriculture biologique et de, enfin, il y a plein de choses où vraiment on utilise ces cycles de matière et où la réflexion repose là-dessus. Ce que tu pointes un peu, c'est le fait que dans les sociétés dites traditionnelles, en fait, la circularité, alors elle était jamais totalement parfaite, mais quand même, les sociétés traditionnelles étaient circulaires de fait. Ce qui est fou, c'est que quasiment dans chaque cas, quand les colons européens sont arrivés, pour eux, circulaire, ça voulait dire sauvage et des gens complètement inadaptés à la vie moderne. Donc il fallait les moderniser et il fallait donc leur insuffler la notion de linéarité et de progrès. Donc en fait, la circularité et la permaculture en est une illustration, hein. C'est une vraie fausse découverte, quoi. C'est essayer de refaire sous la forme d'un pas de côté, quelque chose qui a été fait spontanément pendant des millénaires parce que les populations étaient naturellement adaptées à leur biotope, sauf catastrophe. Ça existait quand même, mais en général. Alors il y a toujours eu des cassures de circularité, il y a des civilisations qui se sont effondrées, mais en général c'était parce qu'elles commençaient à avoir l'hubris, hein, comme on dit, la folie des grandeurs qui consistait à ne plus faire attention au renouvellement et à la régénération de leur milieu. Et donc quelque part, moi j'appelle ça la permacircularité. Ce qu'il faut, c'est une économie qui soit à la fois circulaire et sans croissance. C'est la croissance économique, la logique linéaire de la croissance économique, de l'accumulation perpétuelle, qui vient perturber complètement les circularités, disons, naturelles et sociales, organiques, qui existaient depuis des millénaires. Au Congo, je me sens d'une très grande solitude par rapport à ces questions-là. Je me dis, la plupart des gens avec qui j'aurais pu réfléchir à ça ont jeté l'éponge à un moment, ils sont tous partis. Ils sont en Europe, ils sont en Amérique du Nord. Mais après, à Kisangani, il y a un tout petit noyau à la faculté des sciences et tous, c'est des spécialistes de la forêt qui, eux, ont conscience de la nécessité de penser notre rapport à notre environnement immédiat et avec qui, voilà, on réfléchit. C'est Gramsci qui disait il s'agit d'allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Voilà, et on continuera. Merci à tous. Merci. À tous. Merci. Merci.